Yo, what's up les fous, ici Zach de retour sur un nouveau jeu. On va tester une démo d'un jeu qui s'appelle Gravewood High. Un enfant qui se trouve en heure de colle, dans un endroit un peu diabolique. Je ne sais pas c'est quoi le reste, on va découvrir ça tous ensemble. Allez, c'est parti. Alors pour le moment, pour ce que je sais, c'est que on se réveille dans une classe. Un endroit assez lugubre. Wake up, c'est ce que je fais. Et là ils disent qu'on doit quitter la salle. Ok, là je me rappelle parce que comme je vous l'ai dit, c'est la troisième fois que je fais la vidéo. C'est quoi ça? Storage key. Ok, j'ai trouvé une clé. Là, ils disent que je peux me cacher. Ok, voilà. Il y a quoi là-bas? Justement, voici le professeur que je vous parle. What? Pourquoi il y en avait deux? Ouais, what? Attends, quoi? Est-ce que c'est un bug ou... Le système est fait comme ça en tant que tel? J'en ai vraiment aucune idée. 3, 8, 5. Ok, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? On a le marteau, excellent, on a l'orbe. Collecter les artefacts afin de gagner des habilités pour pouvoir détruire certains objets, d'accord. Ok, voilà. Alors, en ramassant les artefacts, on récolte des affaires. Ici, on peut mettre ça là. Oh, un passage secret. Ça, ça fait un autre artefact. Ah, ça, c'est des easter eggs. Et le voilà! On a trouvé un artefact. Et grâce à ça, on peut l'utiliser pour détruire des portes comme ça. Alors là j'avoue, une école qui ressemble à ça, c'est un peu bizarre là par contre, hein. On va pas se mentir le chat, les fous pardon, moi j'ai l'habitude trop à cause des lives. On va aller voir ce qu'il y a là-bas. Là, là c'est écrit quoi? Find me when you wake up. Chris. Bon alors c'était écrit trouve-moi quand tu te réveilles. Alors j'étais en train de rêver, c'est ça? Bon, là, j'ai quoi comme objectif? De détruire sans citrouille. Look for the red room. Je sais pas si on est obligé de détruire sans citrouille en tant que tel. On va essayer d'effectuer l'objectif en même temps. Mais là, c'est assez bizarre. Ils disent de trouver la chambre rouge. Ça fait peur, ça fait penser à un film d'horreur. Alors ici, il y a un fil. Attends, il y a quoi là-dedans? Rien. Une lampe de poche, j'en ai déjà une. Pas de besoin. Et le fil, il mène où? Il mène à ce mur. Est-ce que je peux détruire ce mur? Non. D'accord, attendez une seconde. Est-ce que je peux interagir avec ça? Qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a un passage secret. Ok, 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 attendez. Ah, il y a des citrouilles qu'on peut écraser avec notre propre poids. C'est encore plus drôle. Ça, je pense qu'on en aura besoin. Je suis pas certain. Un autre easter eggs. On dirait le professeur qui nous court après. Ou du moins celui qui nous met les heures de colle. C'est quoi ce bruit là? Ok, si je clique sur ça, qu'est-ce qui arrive? Ah ok, alors la boîte va servir à ça. Alors là, le chat 200 d'IQ s'il vous plaît. Il semble y avoir personne ici. On va péter juste les citrouilles qui sont là parce qu'on a une mission étrange qui nous donne. Est-ce que c'est ça la salle des profs? Ok, non, il a servi à rien le pouvoir que j'ai. Ça, c'est quoi? La salle d'histoire. Je pense pas qu'on doit se retrouver ici. On va essayer de se promener un peu plus loin. Est-ce qu'il s'est trouvé, ça fait de la lumière en tant que tel? Ou non, ça dérange pas que j'ai des trucs? Oh non, ça dérange pas qu'il y a déjà des chandelles de placées de base. Regardez la classe d'anglais. Pourquoi une tête de citrouille? What the fuck? Et qu'il y a eu une orbe magique. Qu'est-ce que je dois faire? Ça l'attire? Oh mon dieu, ça l'a attiré. Mais attends, mais j'ai tout détruit? J'ai tout détruit là? J'ai pas fait exprès? Mais là, j'ai plus rien pour me cacher, pour être honnête. Il va où? Il va là-bas, attendez. Il y a ici l'objet que je cherche. Pourquoi je peux pas le prendre? D'accord, alors qu'est-ce qu'on cherche encore? Oh! What the fuck? C'était quoi ça? Oh my god, il y avait une ombre. Pourquoi il regardait ici? Pourquoi il y a des bruits de chuchotements?
rend vraiment pas là-bas. On voit qu'il y a une clé. C'est quoi? Pick the key. On a la clé pour la salle d'anglais. D'accord, on a une clé pour la salle d'anglais. Il y a quelqu'un qui est là. Il y a une ombre ici. Il est là. Qu'est-ce qu'il fait? Attends une seconde. Mais y'a rien. Oh my god. Oh my god, il est là devant moi. Oh mon dieu. D'accord, ok, là, non. Non, viens pas fouiller dans ce casier. Ne viens pas ici. Oh my god, non, il est proche, il est de l'autre côté du mur. La classe d'anglais, c'est sa classe d'histoire. C'est la classe de quoi? On peut toujours pas y accéder. Oh my god, il est là-bas, il m'a vu. Il était en train de me chercher, le bâtard. Ok, on est où là? Oh mon dieu. Ok, attendez, ici il y a des ventilations. Et ça c'est ce que j'ai besoin. C'est des pouvoirs. Et ça c'est quoi? Je sais pas comment je vais prendre ça. Et le spray ça sert à quoi? J'en ai aucune idée. Ah pardon, ça faut que je récupère ça. Ça j'en ai vraiment aucune idée sans être méchant. Ok, là on a des charges de pouvoir, ça c'est génial. Grâce à ces charges de pouvoir, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Est-ce qu'on peut revenir dans nos pas? Mon dieu, je chante. Ça m'a fait peur ce bruit-là, tabarnak! Il arrive. Ça, c'est la lumière qui fait avec sa tête de citrouille. Il est là. Il est là, le tabarouette. Le voilà, il vient de passer. Oh non, mais qu'est-ce que je fais? Remonte là. Je pense pas qu'il peut passer là. J'en ai aucune idée s'il peut traverser les murs, mais on dirait un spectre. Je sais pas pourquoi, on dirait un mode Halloween. C'est très étrange, je pourrais pas répondre à ça. Dès qu'il s'en va du côté gauche et qu'il reprend le couloir d'où qu'on vient, on va aller péter la porte qui est à droite avec le pouvoir qu'on a. On a 3 charges actuellement de destruction. On va voir bien. Ok, là pour le moment on dirait qu'il veut pas. Il veut pas sortir, pourquoi? Bon, on va attendre encore 1000 ans, le chat. Les fous, pardon. Voilà, j'ai lancé une boule de pouvoir là-bas. Est-ce qu'il va débarquer avec ce que j'ai fait? Je l'entends, il est là. Il va s'en aller. Il est là, vas-y dégage, reste pas là. Je sais pas, je suis où là, mais allez, c'est parti. C'est quoi ça? On a la clé de la salle de je sais pas trop quoi.
fait quoi sa pochette? Ok, bah on est en cours de séance. Push it. Ça fait quoi si je les push? Ah, faut que je les relie entre les planètes ou quoi? Ah. Oh mon dieu. J'aime pas ça. Bon, on a trouvé une clé. Est-ce que je peux sortir ou c'est risqué? On dégage de là, on passe par là. On va voir ça va nous emmener où cette tuyauterie. J'en ai aucune idée, mais là j'ai pas confiance de rester là. On bouge de là. La classroom mystery missing, ok. Ça nous mène où ces ventilations, j'en ai aucune idée. Ça nous mène dans un corridor. Ce qui est quand même assez risqué, je veux pas tomber sur lui comme par hasard. Les ventilations nous mènent où là? C'est assez bizarre comment c'est. Ok, il nous dit, y a pas de salle. Oh mon dieu, j'ai pas. Je sais pas, j'ai pété combien de citrouilles là pour le moment, mais on doit en péter. Ah! Je viens de les récolter. Oh mon dieu, pourquoi il y a ce chemin complexe dans la bibliothèque? Est-ce que ça va nous mener quelque part? J'espère que oui. Pourquoi là-bas il y a un crâne? C'est quoi ce crâne-là? Ça fait quoi ce crâne-là que je viens de toucher? Dans le portail de la bibliothèque. Ah, ici il y a quelque chose. C'est quoi ça? C'est quoi ce portail bizarre? Happy Halloween! Oh, what the fuck! Jeux Halloween. C'est un easter egg ou quoi? Attendez là. Ok, c'était un easter egg. Merde, je viens de gaspiller des charges. Merde. Il me reste une dernière charge. Je suis complètement con, il me reste qu'une dernière charge. Oh my god. On va là-bas. La salle devrait se trouver là-bas. Ah! Non, tabarnak! Ah! Mais c'est méga compliqué, j'y arrive pas! Putain! Bon, on va tenter une dernière fois, d'accord? Si ce putain de professeur me tombe encore sur la tranche, c'est bon, j'en ai marre là. Depuis tout à l'heure, je... Ah ! Tabarnak ! J'en ai marre ! Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo du début jusqu'à la fin, ça me fait extrêmement plaisir. N'oubliez pas, demain, je veux dire aujourd'hui, il y a un live Twitch soirée horreur, vous verrez dans les commentaires. Si le jeu vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. N'oubliez pas le pouce bleu, de partager la chaîne YouTube et me follow sur la chaîne Twitch. Ici, c'était Zach et je vous dis, prenez soin de vous les fous. Ciao, ciao !